tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour un nouvel épisode, la carrière manager avec le Real de Madrid. Donc dans cet épisode, il y aura le match face à Celtic à domicile, le Classico face au Barça à domicile, le match face à Elche à domicile encore une fois, et le match face à Osasuna à l'extérieur. Donc 3 matchs à domicile, les 3, faut les remporter. On est passé en ultime normalement, si ça n'a pas changé. Tac, on est en ultime, c'est parfait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si c'est pas déjà fait. Là, match important pour la première place de la Ligue des Champions. Si on gagne ou match nul, on finit premier de la poule, ce qui serait parfait. Donc en plus, on est à domicile, mais bon, on vise la victoire comme d'habitude. Benzema, ah oui, c'est vrai, Benzema, il est blessé. Benzé, il est blessé. Du coup, on va passer Cristiano Ronaldo en pointe, tac, et on va faire jouer Rodrigo à droite. Bien évidemment, tac, Hazard, après Modric, Valverde. Ouais, Valverde, il est passé devant Toni Kroos aussi. Ça c'est sûr. On va mettre Kamavinga à la place de Tchouaméni parce qu'il est un peu fatigué, Tchouaméni. Ensuite, à la place de Luis James, on va faire Joao Vasquez. Et puis on est parti pour ce match de Ligue des Champions avec cette équipe-là face au Celtic, tout simplement. Avec un joueur qui s'échauffe. Modric, Rodriguez, on a vu. C'est parti dans ce magnifique stade. Le Santiago Bernabéu face au Celtic. Dernier match de cette poule de Ligue des Champions. On espère finir premier et pas se faire surprendre par Celtic. Et tout simplement remporter ce match. Valverde, c'est très bien défendu ça. Kamavinga qui va lancer Vini. Vinicius. Oh, c'est pas passé, c'est dommage. Oh là là, Celtic, c'est bien joué. Faire attention. Et on perd 1-0. On perd 1-0 en 8 minutes. Les Celtics, ils sont venus là pour prendre la première place de cette poule en Ligue des Champions. Moy qui marque. Et on se fait surprendre dès le début du match. Ah là 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 là. C'est son premier but en plus dans cette Ligue des Champions. Allez, Vini. Bien joué. La vitesse, elle est bien prise. Il est vraiment trop fort. Vini. Oh, dommage. Oh, la prise à deux, elle est parfaite là. Bien joué, Fernand Mendy. Cristiano. Oh oui, c'est parfait. Cristiano, non, la parade de Duarte, elle est incroyable. Elle est incroyable. Le centre, à là-bas. Oh là 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 là, c'est contré. Pour l'instant, ça tient du côté du Celtic. À là-bas. Non. Rodrigo. Oh là là, dans les bras de Duarte, purée. Une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Et c'est une frappe. Oh, on lui laisse un trou dans l'axe, c'est normal qu'il marque là. Perd 2-0 face au Celtic. Ah ouais, non. On sent la différence avec le mode légende quand même. Hein. Après, heureusement qu'on est qualifié quand même, mais bon, on va finir deuxième de la poule là, malheureusement. C'est chaud là. Ah ouais, non, là on prend l'eau. Oh, heureusement, Thibaut Courtois il nous sort la parade. Hein. Heureusement. Attention au corner. Allez, Rodrigo. Non, il a pas. Oh, on perd 3-0. Ils sont en train de nous éteindre à domicile. Ah ouais, Forest qui marque. Oh, 3-0 face au Celtic, c'est honteux. Mi-temps, on perd face au Celtic, hein, encore 3-0. Donc deuxième mi-temps, là il va falloir mettre 3 buts pour au moins égaliser et terminer à la première place. Le PSG qui fait 0-0, Celtic qui gagne, City qui gagne, la Juve qui gagne, Séville qui gagne, Chelsea qui gagne, Milan qui gagne. Donc il faut absolument qu'on remonte, hein. Se prendre 3-0 par le Celtic là, c'est vraiment une honte, c'est une catastrophe même. Wesh, comment il m'a taclé, c'est grave. C'est un rouge ça, l'intensité qu'il met, tout ça. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. J'ai pas mis assez de frappe, je pense. Ouais, c'est contré par le mur direct. Attention Vinicius. Bien joué Vini. Allez, 3-1, allez, on passe direct. 3-1 à la 77e pour égaliser, ça va être très chaud. Mais on peut encore en mettre au moins un. Très bien joué Vini, hein. Il est trop fort Vinicius.
de toute façon. En plus, dans deux jours où il y a le classico, les joueurs ils vont être fatigués. Attention. Oh là là, c'est pas normal là qu'il y ait un trou comme ça. Il passe trop facilement, c'est grave. Le score, le voici, 3 buts à 2 après 78 minutes. Allez. De jeu. Okay, attention à la parade. Oh, bien joué, Courtois à la parade, mais bon. Quoi qu'il arrive, ça va être très très chaud. Rodrigo qui sort, on a fait entrer Eden Hazard. Enfin, normalement, c'est Rodrigo. Si j'ai bien vu. Vinicius, ouais, non, on va pas le faire sortir, Vini. Allez, 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 allez. Ouais, je me fais un Mendy, il reste debout. Ça y est, c'est perdu, 86ème. On peut plus rien faire là. On peut plus rien faire du tout. Ah là-bas, bien joué, très bien défendu. Mais bon, ça va servir à rien du tout. Puisque la défaite, elle est quand même là. Qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Bien joué, Valverde. Allez, au moins 3-2, c'est. Voilà, 3-2, doublé de Vinicius. Bon, malheureusement, on perd quand même ce match et on passe deuxième de la poule. Mais au moins, on se prend pas un 3-0 là, merci Vinicius. Parce que sinon, c'était honteux. Là, Vinicius, il sauve un peu la prestation de l'équipe. Mais bon, quand même, c'est honteux de perdre 3-2 à domicile face au Celtic. City qui gagne, les Bzic qui ont gagné aussi. Chelsea, Milan, de même. Ah là là, c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Ah, il faut absolument se reprendre là. En plus, là, c'est le classico, donc ça va être dur aussi. En plus, on n'a que deux jours de récupération. Après, on n'a même pas de jour d'entraînement. On a un jour de récupération, un jour de repos. Ici, Rollenhorn, pourquoi pas. Bah, ça a été rejeté. Lui, on va accepter l'offre. Mais bon, il va jamais partir, hein. Dotation compétition. Donc, on a fini à la deuxième place de notre... Pool. Normalement, bientôt aussi, il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions. Off pour le Canada, non merci. Tac, on va aller voir le calendrier pour voir s'il n'y a pas justement les huitièmes de finale qui ont été tirés au sort, mais je pense pas. Ah si, oh là là, en huitième de finale, on se tape le PSG en plus. Oh là là. Match. Il y aura le PSG, après le Barça, après l'Atlético de Madrid. Ah ouais, dans le mois de février, il va être chaud dans la carrière. Aïe, 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 aïe. Là, en tout cas, on va jouer le classico Santiago Bernabéu. Le Barça, ils sont 6e, ils ont 5 points de retard. S'ils gagnent, ils reviennent à 2 points de nous. Sachant que là, on a 3 points d'avance sur l'Atlético Bilbao. Il faut absolument gagner pour conserver l'avance en Liga Santander. Oh là là, toute notre équipe, elle est KO. Lewandowski, Rafinha, Madison, De Jong, Kessié. Eux, ils sont en forme en plus. Gestion d'équipe, je peux faire jouer qui? Vinicius, je suis obligé de le faire jouer. Cristiano aussi, je vais le faire jouer en pointe. Hein. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Hop, Cristiano, BU, tac. Ici, on va faire jouer. Bon, on va faire jouer Asensio. Chouameni, il est en forme. Kroos aussi, il est en forme. On va laisser Valverde. Non, on va laisser Modric. Valverde rentrera à la mi-temps. Quoique, non. En vrai, on va faire... Non, je peux pas faire jouer Ceballos dans un match comme ça. Ah non, je peux pas, je peux pas. Donc, on va mettre Valverde ici. With James. Là, on va mettre Militao à la place de... De Alaba, et là on va mettre Nacho Fernandez à la place de Fernand Mendy. Purée, on n'a même pas l'équipe type pour un classico, c'est triste. En tout cas, c'est parti, on est à domicile, on est sur une défaite 3-2 face au Celtic. Là, c'est le Barça, faut absolument gagner. Allez, c'est parti, Santiago Bernabéu. Oh, en plus, il neige. C'est beau, c'est beau, c'est beau, il neige encore une fois ici à Madrid. Donc le classico sous la neige. La pelouse, elle est belle avec les traits oranges, ça change. Le ballon, il est bien jaune, on le voit bien parfaitement. Toni Kroos, la passe pour Vini. Dommage, il n'était pas passé devant. En tout cas, ça va être un très très beau match, un très très gros match surtout. Oh, dommage. Attention, Rudiger, là, l'intensité. Allez, Wiz James, la défense sur Alba. Oh là là, c'est pas normal, on va encore se prendre un but en début de match. Ah ouais, c'est puissant. Heureusement que là, Courtois, il fait la bonne parade et... Que le contre il nous est favorable entre guillemets, qui rentre pas dans nos cages. Oh là là, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont chauds là, le Barça. Nacho.
Oh, c'est pas normal. On joue Tchouaméni. Tchouaméni, garçon, toi par contre, t'as pas joué le dernier match. Tu dois pas être KO. Oh là là, le Barça, il met une pression folle là. N'arrive même pas à s'en sortir. Oh, ouais, Lewandowski en mode crochet, tout ça. Eh, c'est chaud. Genre là, on n'arrive vraiment pas à s'en sortir. Et on perd. Oh là 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 là, on se prend le but. Depuis le début du match, il nous domine. En plus, il termine là l'action. Ferran Torres qui marque. On perd 1-0 contre le Barça. C'est grave comment on va pas bien là. Oh là là, on se fait dominer par le FC Barcelone là. C'est vraiment très très dur. Oh là 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 là, en plus il fait une faute lui. L'avantage il dure 1000 ans en plus. L'arbitre il fait exprès ou quoi? Lewandowski, attention hein, Courtois. Ah ouais, non, ça joue bien les coups francs tout ça. Ça les joue à deux carrément. Oh là là, il est hors jeu, non? Même pas. Bien joué Militao, super bien défendu. Et derrière, on n'a même pas la balle. On va rester ensemble jusqu'à la mi-temps. C'est très très chaud, hein, Kessié. Hey, ils nous dominent, ils font ce qu'ils veulent. Bien joué. Il est pas hors jeu, il est pas. Mais c'est grave qu'il attende qu'il touche la balle pour signaler leur jeu. Il peut pas siffler avant, là. Oh là là, faut pas se prendre les buts. Juste avant la mi-temps, non. Ok, mi-temps, normalement, si l'arbitre il veut bien siffler, il siffle enfin. On perd 1-0 face au FC Barcelone dans le Classico. Mais c'est pas possible qu'on perde à la fin du match. C'est vraiment pas possible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est faire entrer... On va faire passer Asensio à la place de Modric ici. Et on va faire entrer Eden Hazard à droite. Et c'est parti. En espérant qu'Eden Hazard il apporte de son niveau là à l'équipe. Pour aller marquer un petit but. Au moins se créer une occasion là face au FC Barcelone. Parce que je crois qu'on en a même pas eu une seule. Oh, y'a personne, Tchouaméni gagne le duel. Merci garçon. Oh là là, Asensio. Non, j'ai cru elle était dedans. Elle est pas dedans, elle est à côté. Oh, j'ai la rage. Au moins on a la première frappe là du match de notre côté. Une grosse occasion. Dommage qu'il la met pas au fond tout simplement. Bien joué Asensio. Oh. Prévini doit pas rater la passe là. Oh oui. Oh oui, Cristiano. Oh oui, pour Hazard. Hazard. Mais pourquoi il la met pas bien, Vinicius? D'habitude, ça, il la met bien. Et là, il la met pas bien. C'est quoi, ça? Allez, Kroos. Tchouaméni. Oh, faut gagner le duel, garçon. Wow, genre Ter Stegen il sort la parade du pied, faut arrêter, bien joué. Oh, y'a quoi? Y'a même pas faute. Mais c'est grave, c'est trop grave, monsieur l'arbitre, de siffler sur ça. C'est grave. Allez là. Bien joué Rudiger. Hazard pour Kroos. Asensio. Reviens Vini, reviens. Il nous fait comprendre à son équipe. Mais c'est grave. Genre on perd, c'est fini. Deuxième défaite là dans l'épisode. C'est énormément grave. Purée, on perd encore. Deuxième match, deuxième défaite. On n'a tiré qu'une fois. Qu'une fois, on n'a même pas été... Oh là là, on les a même pas inquiétés. C'est grave. C'est trop grave. Deux défaites. Là, au niveau du classement, on doit être premier, mais les autres, ils doivent revenir vers nous, là. Si on gagne pas face à Elche, franchement, c'est inquiétant. C'est très inquiétant, là. Donc, il faut absolument qu'on gagne face à Elche. On va mettre l'équipe type, hein. Là, je vais même pas m'amuser à faire tourner ou quoi. Risque de perdre 7 joueurs. Luka Modric, Toni Kroos, Benzema, Asensio. Ah ouais, 6 mois, seuls les joueurs de 23 ans en plus peuvent négocier pour rejoindre un club.
Ah ouais, chaud, 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 va falloir que... qu'on renouvelle les contrats, là. On va pas le faire dans cet épisode-là. Ouais, du coup, on est deuxième égalité avec Bilbao. On a un match de retard, bien évidemment. Mais là, si on perd, Betis, ils gagnent. Et le Barça, ils gagnent. Ils vont passer devant... Oh là 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 là, la catastrophe. Faut absolument gagner face à Elche. En plus, ils sont 18e. Donc là, faut absolument gagner. Oh, il y a Javier Pastore. Et il joue là-bas. Ah ouais, chaud les petits Javier. On va laisser Ronaldo à droite. Et on va faire jouer Eden Hazard en pointe. Après, on va bien voir, ils mettent qui en remplaçant. En tout cas, on met une équipe type. Ça, c'est sûr et certain. On fait aucun changement. Et c'est parti pour ce match. C'est parti pour ce match face à Elche au Santiago Bernabéu, où il nous faut les 3 points. On le rappelle, on est sur 2 défaites, une en Ligue des Champions, une en Liga BBVA, le Classico. En plus, on perd le Classico, c'est n'importe quoi. Juan Modric, la passe là pour Vini, elle est parfaite. Vini direct, Vinicius direct, 4 minutes de jeu. Voilà, 1-0 face à Elche. Elche, on va pas leur laisser de chance ou quoi, hein. Et dès qu'on va avoir une occasion, on va la mettre au fond. C'est parfait. Vini du Brésil, le seul qui a marqué dans cet épisode pour l'instant. Il est sur 3 buts là dans cet épisode. Il est en feu. Son pied gauche, il est trop fort. 9e but en 15 matchs. Il affole le Santiago Bernabéu. C'est parfait. Mais du coup, ils ont mis Mariano en pointe là. Ils ont mis Mariano en pointe et CR7 à droite. Ok, ok. Oh là là, c'est bien joué tous ces décalages. Le ballon pour Ferland Mendy. Le bloc progresse bien dans le camp. Oh oui, bien joué, la passe de Mariano, la finition de Cristiano Ronaldo. 2-0 en 13 minutes face à Elche. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Merci garçon. Cristiano Ronaldo. Mais la passe de Mariano, franchement, elle est bonne là en plus. J'ai cru qu'il allait la mettre dans l'intervalle, mais non, il l'a mis sur le côté. Parfaitement pour Cristiano Ronaldo. Là, j'ai cru qu'il allait la mettre dans le trou entre les deux défenseurs. Mais non, le défenseur, en plus, il avait bien resserré. Du coup, Cristiano, il pouvait l'avoir tranquillement dans les pieds. Contrôle, frappe croisée. But de Cristiano Ronaldo. C'est parfait. C'est très bien joué. C'est très bien joué aussi, ça. Valverde. Valverde qui va y aller. Valverde, Mariano, Vini, le contrôle et le plat du pied, 3-0 en 20 minutes. Voilà, là, on est en forme, là, on a les bons automatismes. On a une très très forte équipe, là, c'est parfait. Oh là là, c'est bien joué, Cristiano. Oh, dommage, c'était bien joué. La prise de balle, comme ça, là. Non, c'était pas comme ça. Et ça joue avec Cristiano Ronaldo. Oh, dommage, Vini, c'est dommage. Allez, Modric, non, il l'a pas. Oh là là, là-bas, il se fait effacer, bien joué. Cristiano au-dessus pour Vini. Ah, Vini, il faut la toucher un petit peu avant. Du coup, mi-temps, 3-0 face à Elche. Du coup, on peut faire un peu tourner là. À la mi-temps, on va donner du temps de jeu à Eden Hazard en faux numéro 9. Je pense qu'il peut être pas mal. On va donner du temps de jeu à Kamavinga à la place de Luka Modric qui fait un super match. Valverde va prendre le brassard de capitaine. Et puis, pour l'instant, c'est tout. On est parti pour la deuxième mi-temps de ce match face à Elche. Bien joué, Wiss James aussi, l'intensité elle est magnifique là. Eden Hazard qui peut y aller. Eden Hazard qui va la glisser pour Kamavinga. Kamavinga, non, il tire sur le goal. Kamavinga fait un effort, garçon. Bien joué, Kamavinga. Il y a même pas faute en vrai de vrai. Il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. C'est fou de siffler foot sur ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Pastore qui est sorti en plus. Bien joué, Tchouaméni. Il est vraiment trop fort. Valverde. Il a vu Cristiano deuxième. Enfin, côté opposé. Voilà, l'arbitre, il laisse même pas jouer la fin de l'action. C'est grave. Victoire 3-0 du coup.
avec un doublé de Vini, un but de Cristiano Ronaldo, c'est parfait. Du coup, on va se diriger vers le dernier match de cet épisode, tout simplement. Là, les 3 points, ils font énormément de bien. Du coup, normalement, on est premier dans la Liga Santander, si je me trompe pas. Voilà, on est premier avec 3 points d'avance sur Bilbao. Ça, c'est parfait. On conforte notre place de numéro 1, Vinicius, qui marque encore un doublé. C'est son deuxième doublé dans la vidéo. Il est trop fort. D'ailleurs, Cristiano aussi, il a marqué face à Lecce. Et on espère, face à Osasuna, que ça va se reproduire. Leader invincibilité. Ouais, Thibaut Courtois, il est chaud. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Du coup, dernier match de cette vidéo avant, en plus, que le mercato hivernal ouvre. Ronaldo s'illustre, ouais, c'est parfait. Donc, le classement, ça donne quoi, là? Personne n'a joué encore. Du coup, on est toujours premier. On se déplace à Osasuna, où il faut absolument les 3 points. Budimir Garcia, nanana. Ok, il faut faire attention quand même. Donc là, on va laisser Cristiano à droite, vu qu'il a marqué à droite. On va faire jouer Rodrigo en faux numéro 9. Du coup, on va mettre Mariano, ouais, ici. Quoique non, on va mettre Asensio. On va mettre Asensio ici. Après, ceux qui vont jouer, bah, comme d'habitude, sauf que là, Toni Kroos, il va remplacer un peu Luka Modric, même si Modric, il a fait un super match le dernier match. Rudiger, on va le sortir un peu, on va faire jouer Nacho dans l'axe. Après, c'est tout ce qu'on va faire comme changement. Et on est parti pour ce match face à Osasuna. Vini a marqué 4 buts dans les 3 derniers matchs. Bah ouais. Doublé en Ligue des Champions. Après, face au Barça, rien du tout. Et le doublé face à Elche. C'est parti dans ce petit beau stade de Osasuna. Coup d'envoi donné par eux-mêmes. Il nous faut les 3 points. D'ailleurs, il faut vite récupérer la balle. Hein, parce qu'on prend souvent des buts très rapidement dans le match. Donc faire attention. Voilà, merci OSG. Y'a quoi? Genre là, vous voyez une faute. Non, c'est grave, mais c'est l'arbitre. C'est grave de siffler faute là. Attention à pas se prendre le but. Hein. Plus là, ça envoie un pile dans l'axe sur eux. Merci Thibaut Courtois, magnifique. Allez, tu relances ça sur Fernand Mendy. C'est bien joué les deux là. Vini Mendy. C'est très bien joué. On voit Cristiano qui arrive. Oh, mais c'est mal centré, Rodrigo. Il a gagné. Mais c'est l'arbitre. Il n'y a pas faute là sur Rodrigo. Oh dommage, l'extérieur de Vini là, il était réaliste en plus. Il était beau, dommage. Oh monsieur. Bien joué, Rodrigo il est vraiment bon quand même. Hein. Faut numéro 9 là pour venir décrocher tout ça. Oh là là, il n'y a pas que pour décrocher qu'il est bon, il y a aussi pour finir. Magnifique Rodrigo, 1-0 face à Osasuna. Incroyable but de Rodrigo, hein. Il est venu chercher la balle. Il est descendu d'un cran pour tout remonter, c'est magnifique. Il a bien contourné la défense. Là, le râteau, il est parfait. Grosse frappe, premier poteau, c'est magnifique. But de Rodrigo, 1-0, 4 buts en 8 matchs. De très bonnes stats pour lui aussi, hein. Très très grosse pépite. C'est parfait. C'est bien fait, c'est bien joué. Oh, avec magnifique, Wes James, l'interception. Elle est magnifique. La passe pour Cristiano aussi. Oh là là, Cristiano qui élimine bien. Oh là là, non, Rodrigo, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Vinicius, encore une fois buteur. C'est son 5e but dans la vidéo. On espère qu'il va mettre le triplé, hein. Le doublé déjà. Encore une fois un doublé, ça serait incroyable. Mais là, Rodrigo, il est trop fort. La fin de frappe, magnifique. Après, la talonnade, elle est parfaite. Vinicius qui a plus qu'à finir. C'est parfait. 2-0 face à Osasuna. Normalement, on conserve notre place de leader largement. L'objectif de ce match, c'est surtout de ne pas se prendre de but. Et attention, on va pas s'en prendre un là maintenant. On va rester ensemble jusqu'à la mi-temps. Hop, bien joué. Chouamini qui a le contrôle là, au milieu de terrain. Et voilà une balle de contre-attaque. Ok, bien joué. Oh là là, il est bien sorti lui sur Vini. C'est dommage. Attention à cette occasion. J'ai dit pas de but. Bien joué Thibaut Courtois, magnifique. Et en plus, il siffle à mi-temps.
tout est parfait. On gagne 2-0, on n'a pas pris de but encore. Villarreal qui font un partout comme on a vu. Les joueurs sont pas fatigués, donc on va garder la même équipe. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Et oui, avec le deuxième but en faveur de touche, bien joué Cristiano, magnifique. Oh oui, c'est très bien joué ça Cristiano. Rodrigo, c'est parfait Rodrigo. Doublé et une passe décisive, il réalise un très très bon match. En faux numéro 9, il est vraiment fort. En plus, l'action, elle est belle là. C'est magnifique. Cristiano Ronaldo, encore une fois, passeur décisif. 3-0, encore une fois. Mais bon, là, il faut pas s'arrêter à 3-0. Il faut mettre le 4-5-6. Et ça serait encore plus parfait que ça l'est déjà. Bien joué. Oh là là, mais Rodrigo, quel joueur, le centre il est parfait, la finition de Vini aussi, elle est parfaite, doublé de Vinicius du Brasil, le Brésil en feu au Real de Madrid, hein. Rodrigo, Vinicius, les deux Brésiliens, ils sont trop forts, en plus c'est des très très grosses pépites, c'est incroyable. Encore un but de notre Vini do Brasil sur un centre de Rodrigo do Brasil. C'est magnifique. Et 4-0 du coup ici à Osasuna. Oh oui. Oh là là, Cristiano, généreux, mais trop généreux. J'aurais dû finir l'action avec lui. Je voulais mettre le triplé avec Vinicius. Mais bon, c'était peut-être de trop là. C'est dommage. Toujours 4-0, ça aurait pu faire 5. Mais bon, attention à la contre-attaque de Osasuna. Bien joué Valverde. Non, c'est Nacho, je suis en ouf. Hop. C'est très bien joué. Ça c'est très bien joué. Non, là j'allais la glisser à Valverde, mais c'est l'arbitre, pourquoi il stoppe toujours les actions? C'est grave, en tout cas Rodrigo, faux numéro 9, il est trop fort, il est incroyable. Ça s'est terminé en 3-3, entre Valladolid et Villarreal, c'est incroyable. En tout cas, là on a fini sur deux bons matchs, après c'était Elche au Osasuna, donc encore heureux qu'on prenne les 3 points quand même. Mais bon, faut rester sur cette dynamique. Là, on est plutôt pas mal. En plus, on est premier pour l'instant. On a 5 points d'avance après avoir les résultats des autres. Appelé par son prêt, ouais, bah, c'est pas grave. Tac. Ça, je vais garder pour dans le prochain épisode. Justement, on renouvelle les contrats des joueurs. Non, quoi qu'on va le faire là maintenant, en vrai. En vrai, de vrai. Hop, offre de transfert pour Vinicius, Manchester United. Désolé, mais Vinicius, on rejette. Vinicius, on le garde ici, hein, il est trop fort. C'est lui l'homme de l'épisode, encore une fois. Avec Rodrigo quand même, hein. Rodrigo, j'aurais dû le faire jouer un peu plus, je pense. Du coup, accueil équipe, tout simplement. Financier, ouais, c'est ça. Tac. Donc Modric, il reste 6 mois. Lui, je sais pas si on le prolonge. C'est à vous de me dire. Benzema, lui par contre, on le prolonge directement, le Karim. Plus là, il est blessé malheureusement. Mais bon, on le prolonge, ça, il n'y a pas de doute. Oh là, je suis en ouf. Oui, crucial. Heureusement que ça a changé, qu'ils sont pas partis. Du coup, on va lui proposer un contrat de 3 ans. Il a déjà 35 ans, Benzema. Il veut que 1 an de contrat. Ah ouais, non, il est sur la fin là. 400. Il a combien de salaire? 450 000. On va lui proposer un 430 000. Non. 1 300 000. En prime de signature et en contrat. 420 000. On va baisser un peu son salaire là de 30 000. Et on va lui ajouter une prime. S'il marque 15 buts, il a 1 million. Normalement, il va accepter. Bah oui, il accepte direct, c'est parfait. Après, du coup, il y a qui? Toni Kroos aussi, vous me dites si on le prolonge. Mariano, je sais pas si on le prolonge. Asensio aussi. Et ouais, je vais pas les prolonger, ça c'est sûr et certain. Ceballos, Mariano, je sais pas. Et pour Asensio, Modric, Fernandez et Toni Kroos, vous me dites si je les prolonge ou pas. Toni Kroos, il a 33 ans et Modric 37. Modric, il a 4 ans de plus que Toni Kroos.
Ah ouais, chaud, je savais même pas. Ah ouais. Bah vous me dites si on les prolonge ou pas. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.